qui a un pied dedans, un pied dehors, il est dehors. Il faut avoir peur de quelqu'un qu'on ne connaît pas, son véritable parti. Mon ami, nous les Ivoiriens, c'est comme ça on est. C'est comme ça on est. Même si tous ceux-là, ce sont tes grands frères-là, mais quand même, tu es un être humain. Tu n'es pas quand même un zozo. Quand même, tu sais qui est dans ton cœur. Moi, c'est la première fois que je vois un footballeur devenir vidéoman, maman. Vous savez, moi, Seri Dien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, on l'aime, on l'aime. C'est quelqu'un que moi, j'aime beaucoup. La preuve, quand il allait taper sa poitrine, maman, pour dire que c'est lui qui mourut José, quand il a mis le gros cuir de José au dehors, excusez-moi du thème, les gens commençaient à insulter José. J'ai dit, maman, c'était chaud si José. Appelé des comment il s'appelle même ce, il est, les, ce, comment il a même dit c'est Ridier. Quand on attaquait à cause de toi là, quand on attaquait José là, la première personne qui a mis ses seins pour défendre José là, c'est moi Lolo Beauté. Je n'en ai pas beaucoup, mais c'est moi qui ai défendu José, corps, âme et esprit, pour qu'on puisse laisser cette fille. Je suis venue sur la toile, j'ai dit, mais attendez, c'est la seule femme qui mourut avec un homme marié. On est rempli, on est plein. On mourut nous tous avec un homme marié. Mais la différence que José a fait, c'est de mourut avec une pine qui est riche. Sinon les femmes là, elles cherchent, non, laissons faire des stars là. Star ou pas star, moi Lolo Beauté, je suis star sur les réseaux sociaux, mais quand on m'insère, je suis aboniche. Ça, il faut dire la vérité, parce que c'est un père. Mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va pas lui dire la vérité. Donc, Seridier, il faut te calmer. Tu n'es pas un vidéoman. Parmi tous les footballeurs, là, tu vois quelqu'un venir se livrer comme ça sur les réseaux sociaux. Toi, même magicien à chanter, tu n'étais pas content, tu es venu faire vidéo. Tu lâches à la maison, tu viens faire vidéo. Tu trompes ta femme, tu viens faire vidéo pour demander pardon. Tu prends José, tu affiches sur les réseaux sociaux. Donc nous, là, on va te laisser les réseaux sociaux et puis tu vas faire notre travail à notre place. Mais les millions que tu gagnes dans le football, là, ça ne te suffit pas. Maintenant, tu es devenu vidéo. À la hauteur à laquelle tu te vends, c'est comme ça, nous, les Ivoiriens, on va te payer. Si tu viens te livrer aux Ivoiriens, mais alors là, je vais te le dire et proprement, on ne va pas te louper. Non, on va te dire la vérité. Quand toi-même, tu vois, si tu aimes vidéo, nous tous aussi, on aime vidéo. Donc, il faut être très court. Quand on est une star mondialement connue, quand on est le capitaine des éléphants, il faut arrêter un peu vidéo là. C'est toi qui viens t'expliquer. C'est toi qui viens te dire. C'est toi qui viens donner réponse. C'est toi qui viens. C'est à quoi? Tu traînes dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu cherches? Va jouer un peu le ballon, même si on est en confinement. Je pense que tu es une grande maison. Va faire un peu de sport. Tranquille, mais tu es toujours sur les réseaux sociaux. Mais à la longue, là, tu vas nous dégoûter. Vous savez, les sorties d'une star doivent être sélectives. Merci. J'ose croire qu'il n'a pas de quelqu'un à côté de lui pour lui donner des conseils. Moi, c'est mon capitaine Seri Dien. Je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne l'insulter. Parce que ce qu'il a dit aussi, il a ses raisons. Mais mon grand frère, je te le dis. En tant que ta défenseur, je sais que tu n'as pas besoin de défenseur. Toi-même, tu as une large bouche, tu peux te défendre. Mais mon frère, il faut laisser un peu vidéo là. Tu vois Didier Drogba venir faire vidéo comme cela. Tu vois Kalou Bonaventure venir faire vidéo comme ça. Tu vois les autres venir faire vidéo. Mais toi, tu es dans le poil de Facebook. Tu es dedans. On dirait que toi-même, tu aimes qu'on te braise. Maintenant, si tu aimes ça là, il faut dire, les Ivoiriens, ils sont premiers champions mondiaux de ça. Ils vont te braiser. Ils vont te braiser. Nous, les Ivoiriens, on se reconnaît comme hypocrites. Et toi, tu es le père des hypocrites. Si tu n'étais pas hypocrite, tu allais dire à ta femme que tu partais enceinte José. Comme toi, tu n'es pas hypocrite là. Fallait dire, pourquoi tu n'as pas dit à ta femme que tu partais enceinte José? Fallait, parce que c'est toi qui nous a montré l'hypocrisie. Vérité des vérités, je vous l'ai dit, c'est Seri Dien qui nous a montré ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc, il ne faut pas venir te jouer au sein ici. Nous tous, on est des pécheurs, mon frère.